Bonjour, je suis Bernard Gomez-Pimienta, je suis architecte. Depuis très très jeune, j'ai commencé à aimer l'architecture. Alors quand j'étais vers la fin du bac ou du lycée, la seule option que j'avais c'était étudier architecture. Alors comme dans la famille il n'y avait aucun architecte, je suis parti en Angleterre pour travailler pendant un an dans un bureau d'architecture. Alors là, moi je savais déjà dessiner de manière technique. Quand je voyage, normalement je ne prends pas de photos, je préfère faire des dessins. Alors par exemple, ça c'était un voyage au Chiapas, dans le sud du Mexique. Alors je commence à me mettre devant la pyramide, devant le temple, et dessiner exactement ce que je vois. Et la grande différence, c'est quand tu prends une photo, tu en prends 1000 et tu ne regardes même pas ce que tu as devant. J'aime travailler depuis des petites choses, alors comme une tasse, ou faire un pot de fleurs, des tables, des verres, des bancs, des chaises, jusqu'à des bâtiments. Alors il y a des maisons, des appartements, un hôtel. J'ai fait la rue de Massalik. Alors ici j'ai amené des plans. Alors d'abord on dessine à nouveau des parties d'abord générales, de comment sont toutes les rues, toutes les intersections. Et on finit par des détails de comment est posée chaque pierre. Et finalement, on arrive à voir même chaque pièce dessinée, chaque nombre de pièces qui sont employées dans chaque trottoir. Et on arrive même à avoir la forme de chacune des pièces qui vont être employées sur la rue. Et si ça vous dit, je peux vous inviter et on y va et on peut visiter Massalik. C'est les voisins qui se sont approchés à moi et qui m'ont demandé de rénover l'avenue. Alors l'avenue avait beaucoup souffert, elle était en très mauvais état. Alors le projet a commencé en étant tout petit, c'était d'abord 5 rues. Alors j'ai fait le projet, ils ont aimé. Alors on s'est approché à la ville de Mexico, au gouverneur de la ville. Ils ont beaucoup aimé le projet, mais ils ont dit il ne faut pas faire seulement 5 rues, il faut qu'on fasse les 3 km que dure l'avenue. Alors c'est comme ça que le projet est né. Thank you.